الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لمن يجيب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لنا من العطايا في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير زاد التقوى، قال الله العظيم في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفضل الصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفضل الصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. فاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, depuis quelques semaines, nous étions en train de se poser une petite question et se disant si notre quatrième imam, l'imam Zain al-Abidin Sayyid al-Sajidin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous dit et nous rapporte dans une de ses narrations que les salat et arba'dalat daraja, la prière quotidienne, a 7000 pas à franchir. Et nous nous sommes posé la question si le quatrième imam utilise le mot daraja, mar'ala, c'est que nous devons essayer d'améliorer cette prière quotidienne. Et non seulement améliorer, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'une telle manière qu'il nous donne une bonne nouvelle. Et il nous dit dans Sourate Mu'minun, c'est le chapitre 23 du 50, versets 1 et 2, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sont bienheureux les croyants, ont réussi les croyants, qui ceux qui accomplissent leur prière avec al-khushu' al-khudu, c'est-à-dire avec humiliation. La question qui se pose, si nous voulions améliorer notre prière quotidienne, de quelle manière nous pouvons le faire? Et pour cela, nous avons discuté amplement. La première des choses que nous avons discuté était toute simple. Il fallait être capable de maîtriser ses membres. Durant la prière, essayer de bouger le moins possible. Voyez-vous, je ne me souviens pas si j'ai énuméré cette narration ici, notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam. Il nous parle de son père, c'est-à-dire de notre quatrième imam. Le cinquième imam nous dit, « Idha qama walidi ila salat » quand mon père se préparait pour accomplir la prière,
ما يتحرك منه شيء كأنه ورق شجرة كأنه ورق شجرة. Mon père, quand il s'apprêtait à accomplir la prière, il était comme si c'était un tronc d'arbre dans lequel rien ne bougeait. ما يحرك ما يتحرك منه شيء إلا ما يحركه الريح. Rien ne bougeait dans la prière de mon père, sauf ce qui était susceptible d'être bougé grâce au vent ou une rafale, c'est-à-dire les habits. Donc nous nous sommes rendus compte que la première étape à franchir pour avoir une meilleure prière quotidienne était de maîtriser ses membres. La deuxième chose, c'est Jibreel Amin qui nous l'a appris. Il nous a dit « لكل شيء زينة وزينة الصلاة أن ترفع الأيدي عند كل تكبيرة » Chaque chose a une vitrine, a un décor, et le décor de la prière quotidienne doit être qu'elle est le fait de lever ses mains jusqu'aux oreilles et de manière à ce que ses mains, la paume des mains, soit dirigée vers la Kaaba ou Al-Qibla. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, nous avons cité ensemble un verset du Saint-Coran, chapitre 4, verset 43, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bismillahirrahmanirrahim »« Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ila salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun » Ne vous approchez pas de la prière quotidienne alors que vous êtes ivre, tant que vous ne soyez pas capable de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et alhamdoulilah, j'ai eu des nouvelles pendant mon absence, durant mon absence, juste après mon départ, je me suis rendu compte que, alhamdoulilah, il y a eu la traduction de la prière qui a été partagée. Ici, inshallah, alhamdoulilah. Donc cela a été la troisième étape. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder une quatrième étape. Et d'ailleurs, pour le takbir dans la prière quotidienne, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous, quand nous parlons de la prière quotidienne, il y a des gens qui se disent mais il y en a marre de ces sujets basiques, hein, que les gens qui sont concernés par ce sujet-là, c'est que les gens qui sont à la maternelle. Je vais vous donner deux exemples. Pourquoi le prophète a été envoyé? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de son prophète, voilà de quelle manière il nous parle. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, le chapitre 88, sourate Al-Ghashiya, verset 21, nous dit « Bismillahirrahmanirrahim » فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ Ô mon prophète, rappelle, tu n'es rien d'autre qu'un rappeleur. Même le prophète, son rôle, sa mission divine n'est autre que de rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et donc, quand les gens se disent, la prière, nous savons prier. Nous savons tous prier. Voyez-vous quand nous recevons nos factures, EDF, GDF, nos assurances, nos mutuelles, ou par exemple, les écolages, s'il y a des enfants qui sont dans des écoles privées, nous recevons des mails, des lettres, des recommandations qui nous disent EDF, par exemple, ou SFR, ou Bouygues, ou je ne sais quelle compagnie. Monsieur, vous nous devez 50 euros. Mais juste en bas, c'est écrit, si par hasard, vous avez déjà payé, ne prenez pas en considération cette lettre, car nous n'avons pas encore les nouvelles que vous avez déjà payées. C'est la même chose à propos de nos discours. Si il y a des gens qui ne sont pas concernés par les discours, c'est bien. Mais il y a des gens qui ont besoin de ce rappel-là. Je vais vous raconter deux anecdotes. Aussi incroyables soient-elles, ces anecdotes. Une des premières, je viens d'en prendre connaissance juste là, avant la prière. Quelqu'un parmi vous est venu me voir en me disant, cher, la semaine passée, nous avons vu quelqu'un ici assister dans notre prière en assemblée et j'ai remarqué que durant les prières, au deuxième rak'at, il ne récitait jamais le tashahhud. Et là, on ne parle pas d'un petit enfant de 15 ans, quelqu'un d'âgé. Toute sa vie, il a prié de cette manière-là. Il ne savait pas. Bon, écoute, toi, peut-être tu connais. Tu connais les lois de la prière. Mais il y a des gens dans le public à qui il y a besoin de rappeler ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc cette personne qui ne savait pas que dans la prière quotidienne, s'il s'agit de salat au subh, au deuxième rak'at, bien compris, il faut faire ta chose. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadi wa ala muhammad. Allahumma salli ala muhammad.
quand il s'agit de faire la prière quotidienne en 4 rak'at, cette personne ne récitait jamais At-Tashahhud dans le deuxième rak'at. Lui, il avait dans la tête que At-Tashahhud doit être lu et récité que à la fin de la prière. Donc voyez-vous, il y a des gens qui ont besoin de ce rappel-là. Si vous vous êtes déjà, alhamdulillah, des ayatullah, eh bien, venez assister pour le baraka. Et je connais, sans accuser personne, il y a des gens que je connais, ça fait 15 ans, 16 ans que je suis là parmi vous. Il y a des gens qui se disent, oh, la prière, moi je connais tout. Même les grands érudits ne savent pas ce que c'est la prière. Nos érudits écrivent des livres, par exemple, Asrar ou Salah, les secrets de la prière. Et donc, améliorer cette prière quotidienne est un devoir. Donc, je vous ai dit, je vais vous raconter deux anecdotes. Voilà celle-ci, une première. Une deuxième, avant quelques années, une personnalité éminente que vous connaissez tous, Inch'Allah ta'ala. Il s'appelle Moulana Jamji, Jamli Shah Ghazmi. Il nous relate dans ses discours, il nous dit, un de ces jours, on m'a invité pour que je lise et récite le nikah, le mariage d'une jeune personne. Et donc, par tradition, on appelle le père de l'enfant, le père de la fille, hein, et on s'assoit ensemble en se disant, Alhamdulillah, c'est la baraka, on va réciter le mariage de vos enfants. Et donc, Moulana Jan Ali Shah Ghazmi a demandé au marié, l'homme, juste en rigolant, blague, disant, cher frère, aujourd'hui c'est ta nuit de noces. Est-ce que tu sais faire le ghusl janab? Un jeune homme qui se marie, qui va fonder un foyer. Le jeune homme s'étend en disant, ghusl janab, c'est quel ghusl ça? Et donc là, Moulana Jan Shah Ghazmi s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le père était à côté, il lui a demandé, vous êtes le père de cet enfant que vous allez marier aujourd'hui. Il ne sait même pas ce que c'est ghusl janab. Et le père dit, mais moi aussi je ne sais pas. Même moi je ne sais pas ce que c'est ghusl janab. Il a eu combien d'enfants? Il n'est même pas au courant que dans l'islam, après ces rapports-là, il y a un ghusl, il y a un père rituel qui doit être fait. Donc, chers frères, quels que soient les sujets, si tu les trouves basiques, et attention, quand je dis ça, personne n'est venu me dire. Hein. Moi, j'anticipe. Avant que quelqu'un se mette dans la tête que c'est basique pour moi, tu restes chez toi. Tu ne viens pas ici. Salut Allah Muhammad wa Ali Muhammad. Allah Muhammad. Et donc, le rappel est primordial. Le prophète, quand il a été envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, toi, tu ne t'autres qu'un rappeleur. Tu dois rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc, nous avons dit, maîtriser sa membre pour améliorer la prière. Essayer d'avoir une jolie vitrine dans la prière. Et je vous ai dit, le takbir, ce n'est pas basique. Le takbir, ce n'est pas basique. C'est un ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Bani Israël, chapitre 17, verset 111. 17, 111. Il dit à son prophète, c'est un ordre, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu shariikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Allah. Ô mon prophète, dis alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada. Gloire à ce Seigneur qui ne s'est jamais attribué un enfant. Il n'a pas d'associé dans son royauté. Et il n'a besoin d'aucun protecteur pour qu'il soit humilié. Proclame avec grandeur, hautement la grandeur de ton Seigneur. Donc un takbir dans la prière est un ordre, pas seulement pour nous, même à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, le takbir, c'est minime. Je vous ai déjà raconté nos takbirs dans la prière, et tout le monde, alhamdulillah, est mouchtet, tout le monde sait que dans la prière quotidienne, il y a un seul et unique takbir qui est obligatoire. C'est lequel? Au commencement, comment il s'appelle ce takbir? Takbiratul Ihram. C'est l'unique takbir qui est obligatoire, qui fait partie intégrante de la prière. Et donc moi je dis les takbirs dans la prière, il n'y a pas besoin.
Et au prophète, on dit « Wakabbirhu takbira ». Et donc, chers frères, pour améliorer cette prière quotidienne, ce sont des petites choses de la prière quotidienne, mais que nous devons prendre conscience ô combien ces petites choses qui sont incluses dans la prière sont tellement importantes, ce sont ces choses-là qui vont permettre à ma prière quotidienne de m'améliorer. Et donc, aujourd'hui, nous allons franchir encore un autre pas. Comment améliorer cette prière ? Voyez-vous, parmi les solutions, Allah subhanahu wa ta'ala nous propose 15 minutes, Allah, wa sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, il donne un ordre à son prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit que ce prophète est un modèle pour vous ? Combien de fois nous avons entendu ces versets du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 33, sourate Al-Ahzab, verset 21, nous dit « Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Mon prophète est un modèle pour vous, et un meilleur modèle. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre à qui ? À son prophète. Il dit, chapitre 17, verset 79, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, ô mon prophète, wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Ô mon prophète, quand une grande partie de la nuit soit passée, wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak, accomplis les prières surrogatoires, Mustaha. Qu'est-ce que tu auras en récompense? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va te ressusciter, il va te donner un endroit rempli de gloire, un endroit honorable qui n'est autre que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous combien le paradis est gratuit? Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à nous le donner gratuitement. Il suffit d'accomplir des prières surrogatoires. Voilà pourquoi dans mes discours, j'ajoute toujours, chers frères musulmans, si tu n'es pas capable d'accomplir beaucoup de prières surrogatoires, il y en a combien, chef? Hein? Non, il n'y en a pas 51. Il y en a 34. Quotidien, bien sûr, on parle. Sinon, c'est infini. 17 et 34, ça fait 51. Et donc, sur les 34, on ne vous demande pas d'accomplir les 34 rak'at. Il y a quelques-uns qui sont faciles à mettre en œuvre. Et je mets toujours le point sur le dernier d'entre elles. Au point que je puisse dire Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ma prière, je ne sais pas si elle est remplie de khushu, si elle est remplie d'humiliation ou non. Ma prière, je ne sais pas si elle est acceptée ou non. Mais au moins, pendant la prière, j'essaie de préserver mes membres. J'essaie de maîtriser mes membres. Oh Allah, j'essaie de présenter une meilleure prière qui soit présentable devant toi. Oh mon Dieu, voilà pourquoi notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, Zayn de Sajidin. Nous a expliqué à maintes reprises, j'en ai parlé. Le quatrième imam nous dit... Sachez que vos prières sont des rustines pour vos prières obligatoires quotidiennes. Rustines. Comment bien traduire ? En Gujarati, on appelle ça tigra. Comment bien traduire tigra en français ? J'ai choisi le mot rustine. Voyez-vous, rafistolage, si vous voulez, quand il y a les vélos dont les chambrières sont crevées, d'accord, il y a un trou, un clou qui s'est planté dedans, nous utilisons des rustines. Pour boucher les trous. C'est la même chose. Le quatrième imam nous dit, vos prières quotidiennes, s'ils ne sont pas comme il faut, parce qu'il y a des trous partout, il y a des manques partout. Pendant la prière, je me dis, oh, je vais rater le RER. Pendant la prière, je me dis, oh, je vais rater ma voiture. Pendant la prière, je me dis, oh, on est... Un jour après Noël, peut-être on va me casser ma voiture dehors. Hein? Ça arrive, non? Salut à Muhammad ou à Muhammad. Et voilà ce petit instant là où je me suis dévié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, il y a besoin de rustine. Le quatrième imam nous dit, accomplis les prières surrogatoires, ceux-là vont être considérés comme des rustines auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas que ça. Et j'ajoute souvent dans mes discours,
Que le moment est arrivé, donc je suis obligé de répéter cela. Pourquoi ? Le rappel est bénéfique aux croyants. Le prophète a dit Anna filatuka al-hadiyya wal hadiyatu tuqbalu wa la turad. Le prophète a dit Nafila, la prière surrogatoire, c'est comme un cadeau, c'est comme un présent. Et un présent ne se refuse jamais. Un cadeau ne se refuse jamais. Et donc, si vous accomplissez, à part vos prières quotidiennes obligatoires, des prières surrogatoires, Allah subhanahu wa ta'ala va les accepter, car la prière surrogatoire est un cadeau qu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, parmi toutes les prières surrogatoires, il y en a une qui est très facile à mettre en œuvre. Il s'agit de la prière surrogatoire après Salat al-Isha. Un de ces jours, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec un ton sérieux, avec de la lourdeur, Alhamdulillah, il y a beaucoup de gens ici qui parlent arabe. Quand nous entendons cette façon de parler du prophète, il y a quelque chose de très sérieux dans cette parole. Le prophète, devant ses compagnons, nous dit, il est assis et il dit, « La yabitanna ahadukum wa alayhi al-witr. »« La yabitanna ahadukum wa alayhi al-witr. » Oh, vous mes compagnons, attention, qu'il n'y ait aucune personne parmi vous qui parte, qui aille dormir, or sans avoir accompli la prière du vitre. Avec ce sérieux-là, le prophète est en train de dire à ses compagnons que ne dormez jamais tant que vous n'avez pas accompli la prière du vitre. Vitre veut dire unique. Et donc les sahabas se sont dit, Ya Rasulallah, est-ce que vous parlez de Salatul Witr, celle qui est dans Salatul Tahajjud, c'est-à-dire Salatul Layl? Le prophète a dit non, je suis en train de vous parler de la prière surrogatoire qui doit être accomplie après la prière de Isha, mais en position assise. Et parce que ce sont deux rak'ats qui doivent être accomplis en position assise, quand nous sommes assis, ces deux rak'ats sont comptés ou décomptés comme un seul rak'ats. Et donc, la yabitanna ahadakum wa alayhi al-witr. Que personne parmi vous ne parte dormir, or qu'il a sur sa tête l'accomplissement de la prière du vitre. Et donc, chers frères, voilà encore une autre façon d'améliorer cette prière. Et il y a beaucoup encore. Nous allons parler, Inch'Allah, de quelle manière améliorer cette prière quotidienne. Celle-ci pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sont bienheureux les croyants qui accomplissent leur prière avec de l'humilité durant et pendant cette prière. Et il n'y a pas que cela. Dans ce même chapitre, le chapitre 23, si vous allez encore un peu plus loin, dans le verset 9, 10, 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces gens-là vont hériter du firdaus, du paradis. Si j'arrive à accomplir, à améliorer ma prière, et ils vont y rester éternellement. Pour vous, il suffit d'améliorer cette prière quotidienne. Inch'Allah wa ta'ala, le paradis est à nous. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul 'alim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli 'ala